Il s'agit du plus important coup porté par l'armée syrienne aux rebelles de tous bords retranchés à Alep depuis 2012. Appuyés par des milices chiites et les frappes russes, les loyalistes ont réussi à diviser en deux le front des insurgés. Les défenses de l'opposition se sont effondrées dans le nord-est face à l'offensive du régime. En une semaine, Bachar al-Assad a repris trois districts importants d'Alep, dont Al-Sajour, un quartier des plus stratégiques qui a permis de fissurer les lignes ennemies. Cette dernière phase de l'offensive a provoqué un nouvel exode des civils. Près de 10 000 personnes ont fui les combats ces derniers jours, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La population se réfugie dans les quartiers contrôlés par le régime ou ceux contrôlés par les Kurdes venus du nord et qui profitent de l'affaiblissement des autres groupes rebelles.